Bonjour, chers parents, chers enseignants. Ce matin avait lieu notre atelier sur l'anxiété. Donc, on a fait un retour sur nos types de phrases de remise en question qui nous permettent de confronter nos pensées et de les transformer en pensées plus aidantes. Donc, je vous rappelle, les phrases de remise en question peuvent être du genre « Est-ce que c'est grave si ça se produit, si l'événement se produit? » Est-ce que j'ai des preuves que cet événement-là va se produire? Est-ce que ça se peut que j'exagère? Alors, c'était des phrases que les élèves devaient pratiquer à la maison ou à l'école pour être capables par la suite de transformer leurs pensées obstacles en pensées aidantes. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé au niveau des pensées aidantes. On a aussi pris un moment pour regarder cette histoire-là qui est « Quand j'ai la tête à l'envers », qui est l'histoire d'un enfant qui a des soucis, qui a de nombreuses pensées obstacles. Et l'outil que ce personnage-là a développé, c'est de se faire un sac à soucis. Alors, on a pris un moment aujourd'hui pour préparer notre propre sac à soucis que, dans le fond, chaque élève a reçu. L'élève a pu décorer son sac et sur lequel j'ai placé son aide-mémoire des pensées, des remises en question. Donc, cette semaine, votre enfant va arriver à la maison avec son petit sac à soucis qu'il pourrait idéalement placer dans un endroit où il pourra faire référence quotidiennement dès qu'il en a besoin. Donc, le but de cet outil-là, c'est que quand votre enfant a une inquiétude, un souci, il peut être invité à l'écrire sur un bout de papier et le placer dans le sac. Alors, c'est comme un peu une façon là, de placer notre inquiétude dans un tiroir et de le refermer par la suite. Donc, vous allez voir cet outil-là apparaître à la maison. Alors, je vous souhaite une belle semaine.